attention, j'ai envie de péter. Prout. Ah, je me sens plus légère. Vos paramètres ont été sauvegardés. Génial! Bien sympa, elle. Bien sympa, bien sympa. Lodingue. Bah, je peux pas avancer. Aidez-moi. Je suis bloqué. Je ne trouve pas la sortie. À l'aide! Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Mais j'ai pas envie d'y aller. Il se trame quelque chose. J'arrive. Je vous en prie. Vous devez sauver ma petite fille. Ouais, c'est ça. Prends un ticket et fais la queue. Quoi? Tiens, et là, t'as compris? Vous ne pouvez pas faire ça. Bah, si, regarde, je le refais. Vous devez envoyer un véritable être humain. Qu'est-ce qu'elle insinue, elle? Que je ne suis qu'un gaz? Elle est malade, elle. Trouvez le camadin. Je vais sauver le poisson. Et toi, t'as du feu? Attention, j'arrive. Laissez faire le négociateur. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Sarah Connor? Oui. Ici, je peux y aller ou pas? Écoutez. Je me balade dans ville tranquille et j'ignore tous ces débiles. Je me balade dans... Ah, pas mal ce qu'elle écoutait. Y'a rien d'autre? Examiner les victimes. Ah, mais attendez, on n'a pas fouillé la cuisine. Y'a peut-être des donuts. Y'a un truc qui est en train de cuire. Éteindre. On fait tout dans cette baraque. Ah, analyser. Du sang de schtroumpf. Ok, je vais mener l'enquête. Vous inquiétez pas les mecs, je suis sur le coup. Il ne peut rien se passer. Non, vous inquiétez pas. Il est en pause là. Je peux jouer du piano? Non mais de toute façon j'ai une enquête là. Faut arrêter les conneries. C'est par où? Ah oui, c'est sur le balcon. Le mec, ça fait une heure, il m'attend. Ah, je peux regarder? Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Ok, je m'en occupe. Otage localisé. Sortir. Laissez faire les pros. Allez Zoé, on y va. Allez Zozo, dégage. Achetez-moi, je suis mieux, je suis le dernier modèle. Ah non, c'est lui qui m'achète là. Putain. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, oh, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Tas de merde. Je suis une merde. Je me balade dans le parc, tranquille. Il y a des balayeurs. Ah, je peux pas marcher. Je peux pas aller là-bas. C'est vraiment des couloirs, le jeu. Tu peux pas aller où tu veux. Attends, je peux pas les bloquer, eux. Non, il y a un clodo, je peux pas y parler. Eh mec, aucune interaction. Là, on peut pas marcher. Je peux y aller, là? Ah ouais. Ah non, je peux pas. Ok, je dois aller à la boutique. Ils ont zéro dialogue, ils parlent même pas, les gens. On vous entend pas. Ok, attendre que le feu soit vert. On peut vraiment aller nulle part. Vous voyez, c'est vert. Ah ouais, je peux pas traverser là. Faut prendre le passage clouté. Quelle liberté de mouvement dans ce jeu, c'est dingue. Ah ouais, mais en fait, c'est parce que ce sont des androïdes et qu'ils savent qu'ils n'ont pas droit. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'ils justifient cette liberté inexistante. Mais si je reste au milieu de la route, ah, c'est feu rouge. Il va se passer quoi? Ah non, il se fait même pas écraser. Les PNJ, ils ont zéro dialogue. Ah, c'est ça la boutique. Bonjour, bonjour. Je confirme. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Prendre le bus pour rentrer. Ok. Ah, désolé. Bon, faut que je prenne mon bus. Du coup, mon bus, il est par là. Les meufs, vous dit on va une soirée? Ah, ça doit être ce bus là-bas. L'arrêt de bus ne se trouve pas par là. Mais il est là, le bus. What? Comment il se gare? Ah oui, il tourne ses roues. Ok, c'est toi le bus, hein. Android Baned. Ah merde, c'est pas pour... Android, ah c'est ici. Ah, on est au fond du bus, nous. On se mélange pas avec les humains. Quand ils ont développé le jeu, ils se sont dit, est-ce qu'on laisse de la liberté aux joueurs? Et là, il y a le responsable qui a dû dire, non. Ils vont avancer tout droit, sans avoir besoin de réfléchir, comme des androïdes, quoi. Bon, alors du coup, c'est quoi ici? Rangée. Elle est possédée un peu, elle, non? Le script est en pause. Terminer le premier étage. Bah oui, bah j'essaie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ranger la chambre de Todd. Faire le lit, ok, faut tout faire. Oh, il y a une guitare. Bouge-toi de là. Faut nettoyer les toilettes derrière lui. Tête qu'elle faisait. Bon, y'a quoi d'autre? Ici, c'est fermé. Ah non. Bon, du coup, y'a quoi à faire maintenant? Ah, y'a un truc là-bas? Regardez. Mais quelle est l'utilité de ça? Allez, grosse éclate. Ça, c'est du bon gameplay. Tintin. Ça, c'est fait. Ah, c'était une tâche optionnelle. Ok, faut descendre. Me revoilà. Voilà, c'était une mission très intéressante, mais elle est enfin finie. Ah oui, je suis toujours avec mon paquet avec lui. Déposer le paquet. Tirer les rideaux. Mais regardez les actions de ce jeu. Fais la vaisselle, passe le balai, tire les rideaux. Tiens, prends ta pilule. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Si. Bon, faut que j'amène le vieux à la salle de bain. Non mais, ça va être quoi maintenant? On va faire la toilette d'un grand-père? Attends, il y a tout un gameplay. Pour porter le grand-père. Je peux promener le vieux. Alors, on fait un petit tour. Lol, ce qui aurait été énorme, c'est que là, en s'arrêtant, comme on a tourné, ils vomissent. Aidez-moi. Ah ouais, on va le jeter dans les escaliers. Mais non, on peut pas, évidemment. J'avais enfin la possibilité de faire une bonne action, mais non.
Allez, on descend. Conduire Carl. Ah, c'est ici. Voilà, il est à table. Servir le petit déjeuner. Mais ce jeu, c'est Bonish Simulator ou quoi? Voilà. Tesso, ça arrive. Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Carl. Ok, on va s'occuper. Ah, on va jouer du piano. T'as chaud? Je joue du piano. Voilà, c'était génial. Hop. Ok, conduire Carl à l'atelier. Allez, viens le tracteur. Waouh! Nettoyer l'atelier. Bon bah comme d'hab, hein, ménage. Vous en pensez quoi de ma toile? On va être de retour sur le personnage de la meuf. Ah non, on est de retour avec l'agent du début là, le négociateur. C'est interdit aux chiens et aux androïdes. Trouvez le lieutenant Henderson. Bonjour lieutenant. Lieutenant Henderson? Qu'est-ce que tu veux? Sois gentil petit robot, barre-toi en vitesse. On va le menacer. Lieutenant Anderson, je me dois de vous informer que je compte remplir un rapport concernant votre attitude. On va pas être potes. I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get respect upon the street. Ah mais je suis quand même avec lui, il m'a quand même pris dans sa chignole. Laissez faire le négociateur. Attention, j'arrive. Poussez-vous. Regardez sa tête à lui là-bas. Ah, y'a plein de preuves. Ok, je prélève du sang. Ah non, c'est du ketchup. Étudiez la scène du crime. Ok, c'est vrai que dans ce jeu, c'est très linéaire. Enfin, on avance comme dans une sorte de couloir. Mais par contre, dans les couloirs où on est, c'est super bien fait, quoi. C'est super réaliste et tout, quoi. C'est un jeu à ambiance. Encore du sang cessé. Ah oui, en fait, donc c'était deux amis. Ils étaient en train de préparer des pâtes. La personne qui prépare les pâtes dit à son pote qu'elle n'a plus de parmesan. Et là, il est pas content, du coup, il sort une batte. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Décédé, sans déconner. Je pensais qu'il faisait une pause, là. Lieutenant. Je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Il y avait plus de parmesan, du coup il y a mis un coup de batte. Ah, j'ai trouvé le déviant, il était dans le grenier. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Il est ici, lieutenant! Chris! Ben! Ramenez-vous en vitesse! Connard, c'est un connard! Ah, on retourne dans la maison de foule, avec le daron complètement malade. Apportez le repas, ok. Alors qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui? Des pâtes bolognaises. Attendez, discrètement. Voilà, dans les pattes. Régale-toi! Allumez la lumière. Ah, c'est là. Allume la lumière! Oui, bah... J'y vois que dalle! Ils attendent que j'allume la lumière pour manger. Bon, d'accord, j'allume. Seul traîner m'a largué pour un putain de gros gars! Tout est ta faute. Papa, non! Tout est ta faute, putain! Ok, ça part en couille. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Ne pas bouger. Ah, mais vous voyez, c'est ce que je disais. Genre les limites de mouvement que je disais tout à l'heure, parce que ce sont des androïdes. Je peux passer outre, franchir les limites. Vas-y, tu peux le faire. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais désobéir. Je suis trop une rebelle. Ça y est, je prends le contrôle. Protéger Alice. Raisonner Todd. Je vais tenter de le raisonner. Todd, viens là, calme-toi. Je vous en prie, je sais que vous êtes en colère, mais... Elle est bonne, ça. Merde, mauvaise idée. Alice! Papa est très fâché! Allez, relève-toi. Attends, on peut pas le raisonner ou quoi? Attends, attends, attends. Il est où? J'arrive. Putain, mais monte. Ah, c'est là, sa chambre. Oh, l'esquive. Oh, l'esquive. L'esquive. Non, faut pas que je me rate. QTE, QTE. J'ai pas eu le temps. Merde. Allez, allez, trop vite la QTE. Vite. On se casse. C'est bon, c'était chaud quand même toutes ces QTE là. Vite le bus. Oh, je suis monté par l'avant, je suis trop une rebelle. Retouche ne serait-ce qu'une fois ma main et je te défonce. Ouais, il y avait trop de possibilités ici. Ah ouais, vous voyez tous les scénars possibles qu'il y avait. C'est ça qui est fou dans le jeu. Du coup, on est revenu sur quel personnage là? Ah bah oui. Sur le tracteur. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande, mais qu'est-ce que je fais là, bon sang? Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, bla bla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer.
Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Ok, c'est parti.